Si le gouvernement haïtien, tout vous, monsieur Do, l'association nationale média haïtien, décidé pas participer dans lavage à l'eau salsa que a fait en deux pays d'Haïti. PM Ariel Henry lance processus électoral. Il commence à inviter diverses associations participer dans le processus mettre sous pied conseil électoral provisoire. Ça n'a pas même pris temps pour lire lettre invitation à l'association nationale des médias haïtiens voyez jeter bien loin qualité idée ça que PM Ariel Henry ta gagné dans tête li pour organiser élection dans le pays d'Haïti ensemble avec situation sécuritaire si là ensemble nous prenons le temps de déclaration Jacques Sampeur un membre association nationale médias haïtiens. Mesdames et messieurs, juge Jean-Wilner Morin, après les fins arrivées, fait mettre en bas code, actuel DG Caisse Assistance Sociale, là, Edwin Toto, lui décide de mettre un mandat d'amener après ancien directeur général, la France Ideris, et actuelle administratrice, là, qui c'est Joanne. Qui ça qui a passé exactement? Nous raconte tout détail, n'est un petit temps qui pas trop long. Ensemble d'associations patronales, mettez voyons ensemble pour demander parti politique qui est capable de signer accord 21 décembre 2022, à qui, selon eux-mêmes, c'est seul moyen pour nous capables de retirer le pays d'Haïti dans sa liée à la. Ensemble, nous prenons communiquer de presse que l'association nationale patronal là lui-même li arrivé mettez dehors. Dans une conférence pour la presse, ancien sénateur Niplan Nenel Kassi prend position sur organisation élection en le pays d'Haïti. Ensemble, nous prenons le temps des déclarations. Dans Miragouane, yon confite rien arrivé mettez dans danger 6 moun dont yon policier ensemble avec ancien greffier en chef paquet Miragouane. Nous prenons le temps qui j'en situation lui-même li te déroulé par bon côté pâle. Jean-Victor Gédéus a travers réunion qui t'a faite dans Nations Unies déclaré que toutefois pays d'Haïti besoin aide communauté internationale là pour être capable de sortir dans situation ça que lié à la nous gagnons tout ministre affaires étrangères République Dominicaine Roberto Alvarez qui trouvait dans l'inquiétude face ensemble avec Flo des sécurités qui a fait rage dans le pays d'Haïti, c'est tout. Information sur avec divers lots qui pourraient faire essentiel actualité nous jeudi. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur plateforme Paola. Non pas moi, c'est Fabiola Jochol. Et c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou ensemble avec rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin, après temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite une famille ou un ami ou abonné à la plateforme si là, puis capable toujours être connecté avec bon information. Formation. Jeudi à ce jeudi 27 avril 2023. Mesdames et messieurs, la situation sécuritaire en Haïti est actuellement dégradante. C'est ça que fait, dans le moment où on a parlé à la, diverses partis politiques n'ont pas décidé de signer accord 21 décembre 2022. Comme quoi, c'est celle-même qui est capable de permettre au pays d'Haïti de sortir dans sa liée à la. Avec pile invitation que PM Ariel Henry lui-même l'a voyé par-ci par-là, il t'a adressé une lettre d'invitation ensemble avec Association nationale des médias haïtiens. Nous gagnons Jacques Sopper qui fait partie de l'association SILA qui a expliqué pour qui raison exactement il n'a pas décidé de participer dans le conseil électoral provisoire. Ensemble, mesdames et messieurs, Jacques Sopper. Voyez tout ça. Et là, c'est un proche là, le grand problème. Parce que nous, d'accord, nous approchons, nous, même si nous pas approchons nous à 100% de la Constitution, mais nous faisons des efforts pour nous approcher de la Constitution. Et là, c'est un moyen, et nous adorons ça, que propice pour nous montrer que nous voulons approcher la Constitution, c'est-à-dire que chaque secteur voyait le monde, et que c'est lui-même qui formait CEPA. Maintenant, l'autre barrage qui arrivait, l'insécurité, nous ne pas dit comme ça que c'est à cause de Bobby Denis que nous voulons la trosse. Et il y a une goutte qui renverse Vaza longtemps. Il y a un journaliste qui manque de mourir, c'est comme même Robertson Alphonse, c'est bon Dieu qui sauve. Vous voyez?
Nous avons des journalistes qui kidnappent. Ils kidnappent les maris, si c'est une femme. Ils kidnappent les journalistes. Ils tuent les journalistes. Et qu'on y a un gens qui va arrêter la caille. Hier encore, Debussy, nous avons des membres de NMAS qui sont dans la rue parce que les bandits prennent zone. Ça veut dire qu'il y a une grande sécurité. Maintenant, on a l'idée que il n'y a pas de contrôle de sécurité. Maintenant, comment penser à normaliser un État, un gouvernement qui, nous adorons ça, que pas de pouvoir pour bord sécurité, ce qui est basique. Alors là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et en tant qu'institution, nous dit, écoutez, bon, pouvez-nous velléiter pour sécurité, laissez-en avancer sur l'institution. Là, même la police, ils sont force de l'ordre, répressive, légale, victime. Comme un rapport à bas, près de 21 policiers qui mourent en bas, balle bandit. Vous comprenez, la police n'est pas capable de protéger vous. Vous voyez tout ça. Il y a un flou, et un flou grandissant, que nous pensons qu'en tant qu'institution leader, il faut que nous disions le mot qu'il faut pour nous pas marcher et à partir en fait, d'idées de suivisme, pour nous marcher à partir d'idées claires, pour nous éclairer le monde, pour nous dire d'abord, bon essentiel là, bon sécurité basique de pouvoir. Et puis là, ça a marché, même quand il y a des failles, même quand il y a des inconvénients, on a marché pour nous arriver vers un pays à l'ordre constitutionnel, vers un pays à l'état de droit. Voyez. Donc c'est argumenté à ça par rapport à la sécurité qui fait que nous dit que faire élection aujourd'hui est irréaliste. L'irréaliste. Écoutez, nous ne sommes pas capables de faire la politique de l'autruche comme si nous ne parlions pas à la pour nous dire qu'on va avancer. On n'avance pas, on s'enfonce. Panel magique, on s'enfonce. Nous sommes en train de creuser, nous creusons. Le bout de la tunnel, et le bout du tunnel n'est pas là. Nous ne sommes pas éclaircis, il n'y a rien. Bon, nous éclaircis. Bon semblant d'éclaircie, n'a pas marché. Nous sommes dans le tunnel profond et nous nous enfonçons davantage. C'est là le problème. 20 mois après, est-ce que vous pensez que M. Henry, gouvernement, a amené nous dans le tunnel ça pour aller vers les élections ou pas? Écoutez, dans la correspondance, nous dit comme ça que. Et lui qui a l'impression que le gouvernement n'a pas contrôlé la sécurité. Et ce qui est essentiel à un gouvernement, c'est le premier bagage qu'on fait, c'est rétablir l'ordre et faire connaître que c'est vous qui avez dirigé. Faire connaître que je suis marché dans lui. Faire connaître que je suis marché, je suis parlé. Et tout ça, vous garantissez tout ça. Je n'ai pas besoin de job, non. Vous garantissez tout ça. C'est ça qui va au pouvoir, va à l'autorité de l'État. Et si. Que ou pas capable. Et si qu'on aurait été dans position secteur, ou aurait été, c'était tout capable de pouvoir seulement, là, ou pas diriger pour tout le monde. Parce que nous-mêmes, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et c'est constatable, ce mariage que nous, ouais, c'est pas pour ce que nous avons inventé. Nous sommes livrés. Et c'est pas livré à nous-mêmes pour à faire manger. C'est livré à nous-mêmes pour à faire l'école. Ce n'est pas livré à nous-mêmes pour faire travail. C'est livré à nous-mêmes pour faire la vie. Il y a un entrepreneur qui a fait nous. Il y a un qui a fait nous, un quartier nous. Voyez, la police fait des efforts, ça on dit ça. Mais la police est victime elle aussi. C'est un problème. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Jacques Sapeur de l'Association nationale des médias haïtiens qui t'a baillé raison pour laquelle il n'a pas décidé de participer dans le processus électoral ensemble avec le gouvernement que dirige le PM Ariel Henry. Alors que PM Ariel Henry t'a demandé pour envoyer deux représentants dans le Conseil électoral provisoire. Dossier caisse assistance sociale. Mandat d'amener contre ancien directeur caisse qui c'est France Ideris, ensemble avec actuel
eh bien, administratrice là, Joanne. Pour la première fois de l'histoire d'Haïti, mesdames et messieurs, je vous rappelle que yon mette yon directrice générale en fonction en bas code pour corruption. Et yon pral mette en bas code d'où administratrice Kessla. Donc nous capables de comprendre que ces 7 dernières années dans caisse assistance sociale là moun sa yo même yo pas gagné tout bon vrai yo t'ap assisté. Edwin Toto gagné yon chèque 2 millions de gourdes nan mel côté 600 000 gourdes c'est pour le manger. Li gagne 225 000 gourdes pour mettre gaz dans machine ni et li gagne plusieurs millions de gourdes encore pour capable mettre carte sous téléphone ni. Mais moun y a assisté dans le gouvernement. Mais qui est-ce que qu'est-ce assistance sociale là lui-même, li a assisté Edwin Toton, l'a assisté famille Edwin Toton. 600 millions de gourdes par mois pour la directrice générale manger alors que population 48.50% a subi ça nous capable reler yon fait chronique. Yon fait chronique qui veut dire que yon pas capable manger même yon pi par jour. Donc gougou a pété côte yo. Oui, alors que yon te supposé recevoir des assistances dans le gouvernement à travers caisse assistance sociale. Donc Edwin Tonton, dans ce moment-là, il a cuisiné dans la pénitentiaire nationale. Parce que faut qu'il réponde une question, faut qu'il baille qui est-ce qui a liel, qui quantité quoi bi kon dépenser pour qu'il ça gagne plus de 70 millions de gourdes qui disparaissent dans caisse assistance sociale sans que nous pas assister pièce moun en difficulté. Dans yon pays côté à chaque mois gagne yon quantité moun qui courir quitter la caillou pour bandi. OK? Demain 24, dans mois qui sont passé yo. Gagne plus passé 3000 moun qui quitte la caillou Babelé Cité Soleil La Plaine Martissant Torcel Pétionville Onaville tout moun a couru quitte la caillou sous mat là donc caisse assistance sociale là qui responsabilité exactement ou gagne par rapport ensemble avec population hein? Donc, est-ce que Edwin Toto te réalisé que te gagne une mission envers le peuple? Par contre, ou tande nous gon économie qui a tout fait. Nous gon économie qui censé pas exister. Côté toute l'argent sa sorti. Yon million de gourdes chaque mois pour effet personnel, madame, nan, plus quantité l'argent l'a touché encore. Chaque mois. Donc, pendant 12 mois, qu'est-ce que mette dehors 12 millions de gourdes? Pour un seul green moon. Et puis nous disons que le pays d'Haïti lui-même, il y a un problème l'argent, pas vrai? En tout cas, pas de problème. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons l'association patronale qui m'a dit pour parti politique qui capable de participer dans le processus conseil électoral provisoire et arriver à mettre sous côté toute divergence. Vous avez ensemble avec l'État haïtien afin pour gérer la crise. C'est celle à quoi si là, cap capable de prendre responsabilité ça. Dans le moment où on a parlé à la pays d'Haïti, il y a des centres non en fait. Côté, il y a un paquet sans scrupules, il y a un paquet remé pouvoir, il y a un paquet cocorate politique qui a dirigé le pays. Il y a une anarchie bien organisée, mesdames et messieurs, il y a un néopotisme. Donc, nous sommes capables de comprendre. Anarchie, ça qui est aujourd'hui à la, quand t'es pas gagné rien qui fonctionnel en de pays, ya, c'est faute l'État haïtien. Nous capables de comprendre, mesdames et messieurs, que le fait, ce paquet grand monde qui a dirigé pays, ya, eh bien, il y a un problème. Aujourd'hui à la, il est vraiment important pour nous capables de camper, prendre responsabilité nous correctement. J'en te annonce nous déjà, mesdames et messieurs, gagné ancien sénateur Niplan Nenel Kassi. Qui prend position sous question organisation des élections en Haïti ensemble entre des déclarations Nenel Kassi. Situation difficile côté ne pas qu'à vivre là. Et c'est dans condition ça entendez monsieur Ariel a parlé des élections. Quelle élection? Élection piqué collé. Élection pour kembe PIA dans ça là faire élection pour PHTK. Faire élection pour mettre une marionnette que blanc a utilisé contre Haïti. Nous voulons élection pour gagner des véritables dirigeants qui sont là-dedans, qui ne peuvent pas aller à blanc, qui ne peuvent pas négocier à blanc, pour défendre l'intérêt Haïti. Même les blancs ont défendu l'intérêt, nous comprenons ça. Mais
m'ba wè élection là et ça fait n'a salier NMH qui fait une sortie que m'pa même attendre. Ça veut dire pendant que gen moun k'ap akoupi, gen de moun k'ap fait acrobatie, pendant que gen de moun et qui jete toute dignité, tout respect yo pour aller entrer dans piqué collé avec Ariel, mais gen de moun dans pays a tout qui gen crédibilité. Moi salier moun ANMH. Et me saluer tout l'autre secteur qui comprennent que jodia Ariel pas rempli condition pour organiser bonjour élection. Et quelle que soit l'élection, Ariel a fait là, la prend un monde qui va côté lui mettre et crise a fait petit. Crise a pas gravé. Ça veut dire ANMH bien agi. Et n'a pas l'autre secteur autour pour nous position. Pendant n'a critiqué le secteur privé. Et qui t'a signé un accord 21 décembre 2022, un accord pour ne pas rappeler sanction. Ça veut dire, yo paix sanction, yo couri ancien accord. Je dis accord crasé, m'dan de next secteur privé a parler de accord. Tout le monde signé accord 21 décembre, yo quitté m'dan de secteur privé a parler de accord. De qui accord la parler? Je dis même secteur privé ça te met des jeunes qui crasé pays a, qui te mette matériel qui crasé pays a, m'a dit pour monde qui a fait politique, ni jeunes ni matériel pas de politicien. C'est le secteur privé qui a râlé, qui a mis le pays dans le pays dans le salier. Et c'est même le secteur privé qui a rangé le corps là pour faire une élection qui a collé. Mais le peuple haïtien n'a pas pris ça dans le pays. Une autre fois encore, on dit tout le monde et qu'on prend note que l'accord 21 décembre 2022 a crasé. Voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations anciens sénateurs Nipl, Nenel Kassi, sur la question des élections en Haïti. Donc, c'est une situation qui est assez compliquée. Là, nous connaissons un moment SDP lui-même, l'IFON en deux. Quand il y a un parti, il y a Marjorie Michel et André Michel qui fait partie du plein pouvoir en Haïti. Et dans l'autre parti, nous avons Didier Benel, nous avons Nenel Kassi. Ensemble avec l'autre, mesdames et messieurs, qui décidaient en quelque sorte changer nos secteurs démocratiques et populaires. Dans la prochaine sortie rubrique, nous avons gagné pour nous porter non ça pour nous. Nouveau non ça qui prend à gagner. Kounyana, c'est qui réaction que André Michel avec Marjorie Michel, yo pral gagner. Est-ce que SDP Payo a toujours été vivant? Ou du moins, il a fait partie de nouvelles cellules ça que Nenel Kassi, ensemble avec l'autre compatriote, yo pral mettre sous pied. J'en ai annoncé nous déjà. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons Jean-Victor Généus. Jean-Victor Généus, qui est ministre Affaires étrangères en la pays d'Haïti, qui a participé à une réunion hier, mercredi 26 avril 2023, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, côté pays d'Haïti lui-même, il fait partie. Deux conseils ici là. Encore une fois, Jean-Victor Généus a demandé la communauté internationale là pour capable de voyager sous situation pays d'Haïti ensemble en tant que déclaration. Des Nations Unies pour sortir de cette zone de turbulence. En sa qualité de membre de l'ONU, Haïti sollicite l'accompagnement dont elle a grandement besoin. Les promesses et annonces de coopération de nos principaux partenaires sont bien accueillies par le gouvernement et le peuple haïtien qui attendent leur concrétisation. Mais, aussi importantes qu'elles soient, elles ne suffisent pas à répondre à la réalité actuelle. C'est pour moi l'occasion de saluer la détermination de la police nationale d'Haïti, le dévouement et le courage de nos braves agents qui affrontent chaque jour les gangs armés sans répit, au péril de leur vie, malgré les moyens limités dont ils disposent. Dans ce contexte, je renouvelle la demande du Premier ministre, Son Excellence Dr. Ariel Henry, dans la correspondance officielle du 7 octobre 2022 adressée au secrétaire général et acheminée au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, dois-je rappeler qu'historiquement, le principe de la solidarité internationale se trouve au cœur de la politique étrangère d'Haïti depuis sa création. En effet, en maintes occasions, Haïti a toujours répondu aux appels d'aide des peuples frères, que ce soit en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique et en Europe, dans leur légitime combat pour l'autodétermination et l'émancipation politique. L'emploi de la force comme première étape est indispensable pour vaincre les gangs,
rétablir l'ordre et créer un environnement propice au bon fonctionnement de l'État. Le gouvernement est toutefois conscient que l'utilisation de la violence légitime à elle seule ne saurait être la solution définitive pour résoudre le problème. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous les maux. Il est clairement établi une corrélation entre le sous-développement, l'extrême pauvreté et le banditisme. Les inégalités sociales et la très mauvaise répartition de la richesse nationale ont creusé un écart énorme entre les masses populaires nécessiteuses et la minorité possédante, 5%, qui contrôle 90% des richesses du pays. L'extrême pauvreté accentue le chômage des jeunes, marginalise ceux des quartiers pauvres qui se laissent entraîner facilement dans la délinquance et la criminalité. Cette catégorie constitue un terreau fertile de recrutement pour les gangs armés qui pisaient en rôle aujourd'hui des enfants soldats. Selon les estimations, 80% de la zone métropolitaine est sous contrôle ou influence des groupes armés. Ces individus qui terrorisent la population vivent souvent dans des quartiers défavorisés où la pauvreté est à un niveau extrême. Certains acteurs politiques et économiques encouragent et financent également les activités criminelles des gangs pour contrôler et garder leurs intérêts mesquins. Ils s'adonnent à toutes sortes d'activités illicites, crimes organisés, trafic de drogue, d'armes et d'organes. Il s'agit d'un lourd héritage résultant d'un ensemble complexe de facteurs socio-économiques et politiques auxquels s'ajoutent les épidémies et les catastrophes naturelles. Il en résulte une contraction de l'économie nationale au cours des 5 dernières années avec un taux de croissance négatif. J'interviens aujourd'hui dans un contexte où la sécurité en Haïti s'est considérablement détériorée durant les 48 dernières heures. OK. Là, nous entendons Jean-Victor Généus qui est ministre Affaires étrangères. Nous voyons que le type actuellement là, il gagne ça nous capable briller des trous de mémoire, même si que baralant devant, il va vraiment capable rappeler de qui ça lui saute. Donc c'est genre de monde ça qui a dirigé pays d'Haïti. Et des troubles de violence qui gagne dans 48 dernières heures en de pays d'Haïti, troubles de violence. Est-ce que qu'on y a là nous capable parler de violence, les peuples là lui-même lui décider pour lui capable prendre destin en main. Est-ce que qu'on y a là nous capable parler de violence en Haïti, les peuples là qui dit lui pas décider mourir en bas mes bandits encore, parce que je me rappelle assez bien voir dans mois juin 2022. Oui, moi, juin 2022, eh bien, Jean-Victor Généus, les peuples t'ap agonisé. Les peuples t'ap mouri en bas mes bandits. Le bandit de Kembe Central, vareux, pas de kage gaz qui capable de circuler correctement pour peuple à vivre. Me rappelle, Jean-Victor Généus rivé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, lui déclarait que tout va bien en Haïti, tout est sous contrôle, alors que peuple là t'ap mouri. Je ne jodi à la. Le même peuple ça décide de prendre responsabilité, le même peuple ça décide de dire pas mourir en bas mes bandits encore. On parle désormais de violence. Waouh. Intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc mesdames et messieurs, c'était déclaration ministre Affaires étrangères pays d'Haïti à Jean-Victor Généus. Pas bon côté parle Roberto Alvarez, mesdames et messieurs, qui c'est ministre Affaires étrangères République Dominicaine, a exprimé inquiétude lui sous la montée de l'insécurité en Haïti côté situation lui-même, la vie n'est plus compliquée de jour en jour ensemble en tête des déclarations Roberto Alvarez. Une fois encore, nous sommes ici pour aborder la tragédie que vit le peuple haïtien qui met en péril l'intégrité physique et émotionnelle de celui-ci. Haïti est touché, mais par voie de conséquence, mon pays, la République dominicaine, l'est aussi. La situation est catastrophique et dramatique.
Or, eh bien, ceux qui tirent les ficelles dans le monde n'ont pas encore pris la mesure de la gravité. J'aimerais justement reprendre à mon compte l'appel lancé par le pape François, qui nous invitait à regarder avec attention la situation en Haïti et qui appeler les acteurs politiques et la communauté internationale à trouver une solution véritable et définitive pour mettre un terme au fléau que vit le peuple haïtien. Monsieur le Président, je suis sûre que notre appel n'est pas resté lettre morte. En revanche, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi nous mettons tant de temps pour répondre aux appels que nous lance Haïti. D'autres initiatives ont été prises pour aider les pays en situation de crise. La communauté internationale a apporté une aide beaucoup plus rapidement, sans en passer par autant de démarches. Aujourd'hui, eh bien, je me demande si, comme certains aiment à le dire, les pays sont aidés en fonction d'une géométrie variable, disons-le comme ça. Aujourd'hui, une fois encore, nous sommes ici pour aborder... Voilà, merci. Et vous m'avez dit que la République dominicaine, après déclaration ça, nous remarquons que ministre Affaires étrangères, République dominicaine, non, comprendre situation pays d'Haïti, puis bien passé ministre Affaires étrangères pays d'Haïti en soi. Nous remarquons que ministre Affaires étrangères, République dominicaine, voulait aider pays d'Haïti plus que pays d'Haïti voulait aider pour peut-être pas. En seulement quelques mots, mesdames et messieurs, Roberto Alvarez décrit situation pays d'Haïti et critique la communauté internationale là, qui convoie secours dans l'autre pays beaucoup plus rapidement que pays d'Haïti. Nous avons plus qu'un an depuis nous chita sous dossier pays d'Haïti. C'est ti paroli sous ti paroli. Kounya là, si nous avons une intervention militaire, connaît avons une intervention militaire. Si ce n'est pas l'intervention militaire, ça que le peuple a lui-même, il n'est pas cautionné, il n'est pas besoin. Si c'est une formation, si c'est un moyen matériel que la police nationale d'Haïti a, Kounya n'a pas eu matériel à faire pour être capable de gérer la situation. Puisque selon déclaration, Maria Isabel Salvador, qui est le nouvel chef BINU, il y a seulement 3600 policiers dans le pays d'Haïti. Pour tout yon pays en général, donc yon pas en quantité à faire pour gérer la situation pays. Donc, il est vraiment important pour l'organisation internationale, l'organisation des Nations Unies, capable de prendre responsabilité, pressé dans le dossier pays d'Haïti. Dans le fond, coup de pied dans Miragoane, spécifiquement dans la section communale Saint-Michel, en dans une zone qui porte nom Abraham, mesdames et messieurs, côté à cause du conflit terrien, arrivé 6 personnes qui arrivaient perdre la vie, dont là-dedans, yo policiers ensemble avec ancien greffier en chef, paquet, première instance, Miragoane, monsieur Abraham, ensemble. Mesdames et messieurs, entendez qui j'en situation lui-même l'étape déroulée. Effectivement, là, nous avons Abraham, 4e section Saint-Michel, commune Miragoane. Donc, suite avec un appentage qui semblait être une fête boissière, qui était la dernière, avocat brave, Red Games, avec soi-disant maître terrain. Donc, il y a un certain de maître Harrison Sinclair qui est mon zone qui était fait opposition en face. Et il y a un civil dans l'équipe là, qui était armé, qui est le Didi. Donc, selon sa population, on dit, donc, Didi tiré Harrison. Et là, il y a le mieux informé ça. Moi, je suis rentré ici. Moi, je viens pour essayer de sauver la vie, monsieur. Moi, je suis même arrivé côté action. Parce que je suis venu sur moto et sorti avec lui. Et puis, je prends lui, je courir avec lui l'hôpital de Fodeneg. Et de là étant, il est arrivé, bon, monsieur Bagan la vie. Combien de gens qui mourent, Kazek? Et jusqu'à présent, je ne peux pas dire combien, parce que je suis arrivé là en retard, je suis un juge de paix qui a fait constat, la police également.
Donc, même rapport que je n'ai pas gagné, donc, sur ça qui passe. Des autres qui ont fait. Comment on comprend que, on monte dans la zone, un bandit sorti de l'autre côté, on vient tuer lui, pour la population, on va avoir une réaction contraire par rapport avec l'action posée. Donc, moi, je pense que c'est inacceptable que la police n'a pas choisi de venir pour le mettre du feu dans les réseaux. Et d'ailleurs, le plus souvent, on a besoin d'affaires mounio boulées, c'est pas même eux-mêmes qui causent et action posée. Et parfois, les peuples là sous émotion, pas grand, elle pas fait. Et déjà, nous, ça bandit à commettre à travers et tout le pays. Donc, c'est normal si vous venez au tuer un monde dans la zone, non? Pour avoir une réaction qui est contraire avec l'action que vous posez. Moi, c'est Georges Toussaint-Weber, juge suppléant, tribunal de paix de Saint-Michel du Sud. Donc, pendant que j'étais au matin, la police t'a informé, moi, qu'il y a eu un accident. Bon, on dit l'accident. Donc, c'est Abraham. Donc, la police passe pour moi, je déplace à greffier moi. Alors, là, nous arrivons vraiment, nous jouons des gars. Nous venons plusieurs mouns à terre, il y a eu marée, on blesse à manchette, il y a eu de roche, et parmi lesquels nous gagnons Jackie Edmond qui sortit païen, monsieur Mouri, qui a semblé c'est lui qui était propriétaire, qui était déplacé pour faire la pantalon là. Nous gagnons Jean-François France qui dit, donc son policier, donc grade lui semblé c'est inspecteur. Nous avons Arismon Sinclair qui est un avocat, qui est mon Abraham. Nous avons Jonel Deriva qui est mon Pumel. Nous avons Jean-Smith Chéri qui est un apporteur. Et puis nous avons Bertino Ilerfin, Abraham. Nous avons encore trois personnes qui sont blessés. Donc nous avons Bernadel Jérôme, monsieur blessé. Nous avons Chéri Hilton qui était là tout, il n'a pas blessé lui-même. Donc nous avons monsieur pour. Et puis nous gagnons Lovensky mon désir. Donc tout le monde est blessé. Donc nous sommes grave. Donc nous sommes voyer à l'hôpital. Donc nous ne savons pas qu'on est à la suite qui ça qui est capable de faire. Mais le problème, c'est que son appentail n'est pas le fait. Mais n'est pas pour arriver sur le terrain. Tu as semblé à mi-chemin. Tu as semblé une petite altercation entre policiers avec métallissement. Bon, t'as semblé, peut-être j'ai mon dit, t'as semblé à l'esmont te frappé, policier a manqué tombé, et puis il a les armes. Bon, bakadou, est-ce que c'est, comment, est-ce que c'est chapé, grenio chapé, ou bien est-ce que c'est tiré? Mais de toute façon, donc c'était humain, n'est-ce pas de corriver sur lieu pour y aller faire, avantage là. Mais c'est bon, Rachel ou Rachel, parce que j'en ai 20 millions, bon, c'est Rachel. Comment est-ce que c'est Rachel? L'avocat prend 7 cartouches. Il prend trois bonnes jambes gauches, il prend une bonne fesse là et puis il prend une bonne côte là. Bon, il dit, d'après le public là, il dit que c'est la police qui a tiré. Bon, moi-même, tout, je suis capable de vous montrer un peu qu'il a brûlé, mais je ne sais pas est-ce que c'est la population ou bien est-ce que. Bon, je ne sais pas qui est-ce que nous faisons. En total, il y a 6 personnes qui mourent. Voilà, mesdames et messieurs, 6 personnes qui mourent, 3 autres qui arrivaient blessés dans un conflit terrien. Dans la 4e section communale, Saint-Michel, dans la zone Miragouane. Ça qui prouve exactement que le commissaire Jean-Ernest Muscadet, il n'a pas contrôlé toute ville Miragouane. Jean lui-même, l'icône a plaidé fait connaître ça avant de gagner un bandit. Jean côté, il a couru pour être capable de gérer la situation. C'est ça que fait la population, ensemble avec les policiers. Tu as supposé mettre mes ensemble. Afin, puis yon capable de collaborer ensemble avec le commissaire, puis yon rendre le travail là plus facile. Et c'est là, nous mettons le bouton dans la rubrique nous pour aujourd'hui. Nous rendez-vous pour la prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. C'était avec vous, Fabula Jean-Charles. Bateau a gain tant coulé, même moi nous style la gouverner. Nous chargez Dieu pour nous prier, mettez-nous nous l'âge dans mes aînés. Et nous besoin condamnés, chaque monde qui bien heureux passé, nous pendant nous pas gâter. Gâter, gâter ta nous, mon vie consigne l'éternel, nous l'état doux. Nous pas ton noir. Une page en café de voile. Nous l'est, physiquement, mentalement, nous l'est.
brésilienne. Depuis nous qu'a mangé un pain avec le sucré. Nous a respiré, mais devant nous qu'a vivre nous juste pas exister. Nous gomme pour nous baise à pouvoir. Pourtant c'est yon kon bagaille yon empiré. Qu'il est nava sorti nous fait noir. Nous mal, mal, mal. Faux bourgeoisie qui est pays à nos coups. Yo qui est pouvoir et qui est franchise tout partout. Yo qui fait la loi et yo qui est tout pour yon honnête. Yo bon yon bandit, tu le bourgeoisie. Lè yon envie, fait nous pas qu'apprend la vie. Yo qui est pouvoir et yo qui est tout pour yon honnête. Yo pis à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité. Qui l'est n'a pour dénoncer. Si c'est pouvoir yo. Yo pis à l'aise que policier. C'est eux même celle qu'autorité qui les n'a pas pour lever camper dans les yeux bourgeois. Ça n'est pas nous. M'en vie qu'on s'y nous relève nous les adoux. Nous pas qu'on voit nous. C'est ça qu'on fait pas.